Voilà. 6h du mat, départ pour la Meije. Température extérieure environ 5 degrés. Il fait beaucoup trop froid. Tous les déplacements sont plus lents. T'es comme les atomes. Je sais pas pourquoi je suis là. Ouais, parce qu'on va s'amuser. Ouais, ça va être cool. Ça va être trop beau. On va faire du beau canyon. On va avoir froid. Et on va faire du beau canyon. En fonction du volume d'eau, il est possible de passer soit par-dessus, soit dans le trou à la sortie duquel on trouve le relais suivant sur la gauche. Une descente en rappel. On dirait pas trop Fort Boyard là. Grave. La clé. C'est quoi la musique de Fort Boyard? Équipé de quelques broches et de prendre pied sur la vire herbeuse. Vous le sentez la déviation puis après le guider là. De là on domine le lave-linge qui est autre qu'une vasque suspendue. Un lave-linge. Et du coup la pharma on la fera en commun, on fera demain matin. Deux pharma. Il y en a une c'est tonton et une c'est tonton. Le crochet à Balakoff. Ouais. Ah, j'ai pas de crochet moi. Moi j'ai un jeu de python, il faudrait que je l'exemple. Ah, après, par contre, si je prends la pharma, je prends pas le rééquipement, tu vois. Ouais, je m'occupe du rééquipement, c'est bon. Bah, bon, on partage en deux rééquipements, non? Moi j'ai la mienne aussi. Ouais. Non, mais en fait, si on perd un sac ou un truc comme ça, c'est bien d'avoir peut-être deux trucs. C'est trop bien ça, quand même. On m'a menti. Moi j'ai fait des cayennes pour me lever tard et avoir des trucs chauds. Ouais, t'as vu, il y a des plantes. Les conditions sont parfaites, my friend. Nous allons dans le canyon. Bientôt au départ. Et là, bah bam. C'est pas du glacier là. On a pris les pots de phoque pour le canyon, t'inquiète. Ça va être cool! Elle est pas là pour être ici! Eh hey, mon gars, la vie, c'est like fucking dancing disco! I have a bone to pick with you, cause you're lazy like a pro. Tac, 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 tac.
la rue, c'est dans la porte sur la commande. Rien à voir, mais vous savez quelle est la possibilité d'apnée des dauphins? Quoi? Combien de temps peuvent rester en apnée les dauphins, pas, selon vous? 3 jours. Je dis des blagues. Une heure, je sais pas. Une demi-heure, oui. C'est plus que ça si tu poses la question, mais... Une semaine, 3 jours. Qui dit mieux? La réponse est 10 minutes. C'est tout. Ah bon? J'ai gagné! Hyper. Elle repart avec le chambobie. Le cafard? Cafard. Même chose, apnée d'un cafard. Beaucoup plus longtemps. Pourquoi un cafard il ferait de l'apnée? Ah bah. Et pourquoi? Et qui a mesuré? Moi je dirais au moins 4 heures. 4 heures. Mais ouais, comment on mesure? 2 heures. Bah tu coules? Je sais pas, 2 minutes. 2 minutes? On est avec 10 la minutes. Durée de 8 minutes. Allez, 7. 7. Kevin? Je cafard. Sais. Tu sais? Bah oui. Ah bah t'étais là. C'est moi qui t'ai dit la réponse en vrai. C'est moi qui t'ai dit. Le mec il les a trop pris en société, mais il y a que le mec qui lui a fait. 45 minutes. J'ai gagné. Un cafard tient 4 fois plus longtemps d'apnée qu'un dauphin. C'est complètement fou cette information. Ouais, ça va scotcher. Ça va tellement scotcher que j'ai oublié la gueule du mec qui m'a raconté. Putain, il a dû sortir du noyau des cafards comme ça. Après, tiens, il respire encore. Tous les cafards. Oh, la vaisselle, le lave-linge. C'est tout ce que t'as pas que dans ton camion, Kéké. On en parlait l'autre jour. Je pense que ça sera pas trop vu l'odeur de ma combi, tu vois. Mais pour quel but, hein? Vous savez, je vous l'avais. Ah, non. Ouais.